Télévisé, radio, presse en ligne, presse parlée, écrite. Et m'a salué toute autorité, l'État au niveau du département Nord qui l'a, plus particulièrement délégué à et directeur départemental la police là. M'a salué autorité judiciaire yo là. M'a salué tout staff du NEPA qui sorti ou bien Port-au-Prince ou bien qui en dans Nord yo fait déplacement en dans limite ville Cap-Haïtien avec plaine du Nord et bien pour yo vin participer dans lancement travaux. C'est pas dans lancement projet, lancement travaux. Ça veut dire que film là quand on mobilisé déjà. Mais permettez-moi de faire une historicité sur ça qui permet nous aboutir ça à là. Depuis 2011, nous étions 5 employés dans Dinepa. Tractation a fait pour Dinepa, il y a un bureau dans toute région. Eh bien, de 2011 jusqu'à 2017, nous avons ces documents dans le bureau seulement qui étaient là. Parce que pour information, nous, si n'est pas à travers Bourad Bayer, dépenser entre 20 000 et 40 000 dollars chaque année pour louer un bureau dans chaque région. Dans le nord, à travers Cap-Haïtien, dans le centre, à travers Hinge, dans l'ouest, à travers différentes zones que nous avons, et dans le département, dans la région sud, plus particulièrement dans la ville locale. Seulement pour le département l'ouest là, il n'est pas à dépenser 120 000 dollars américains dans la location. Il dit faut que ça suspende. Faut que nous pensions à l'économie d'échelle. L'économie d'échelle là, faut que nous ayons propre immeuble pas nous. Finalement, avec Bourad Coopération espagnole, l'État haïtien à travers le gouvernement et dit n'est pas, eh bien, il y a possibilité, Jean-Denis Odilala, pour nous construire 3 gros immeubles. Ou après, pan 4 la banne, toute information, Libanou, idée comment immeuble là a pied. Denis, t'as l'air à cette banne précision, que son superficie de 3000 mètres carrés. Immeuble que nous pouvons construire qui a 2 étages, la pétanie, son superficie d'environ 500 mètres carrés. Ça veut dire que tout au moins, la région nord là, plus particulièrement Cap-Haïtien, a un bureau PAL qui représente Dinepa à travers Orépa Nord. Département centre et région centre, plus particulièrement dans le département centre Hinche, eh bien, construction va lancer le 13 juillet. Et une semaine après, nous allons lancer le même lancement au niveau de ville au Caille. Ça veut dire que Dinepa, pas seulement dans construire infrastructure de l'eau potable avec assainissement, mais il y a nécessité tout pour nous faire économie d'échelle là, pour nous construire propre immeuble par nous. Parce que moi dans l'État, eh bien, majorité de bureaux administratifs de l'État, à part quelques fois fait pour complexe administratif de délégués gens que vous connaissez, eh bien, c'est dans la location. Oui. Nous-mêmes, nous te dit au niveau de Dinepa, pas dans la location. Eh bien, dans quelques mois, environ 6 mois, Dinepa par un propre bureau central PAL que le bal aménager qui donc 120 000 dollars américains pour seulement en dedans Port-au-Prince n'a dépensé pour nous loger personnel administratif et technique du NEPA, et bien nous allons faire l'autre bar avec lui, nous allons construire les autres lots. Et bien moi bien content que toute autorité ça yo fait déplacement avec un petit retard, mais bien content représentant gouvernement, représentant pouvoir central là. Et c'est lui-même, avant que nous fassions pause première pierre là, pas pour nous lancer le projet, non, pour démarrer le travail, je dis que c'est 6 juillet 2022. Premier bâtiment ça peut. Eh bien, délégué à Palbanou, et mot de clôture là, avant que nous posions la première pierre là. Bon monde qui pose nos questions, combien coûte la construction ça? Eh bien, il y a environ 1 million de dollars américains
Et dans tout ce qu'elle a dans le moment que nous lançons ce projet, ça totalisait entre 90 et 96 millions de gouttes. Merci à vous. Coordinateur programme et fonds bilatéral. Donc c'est un programme qui est financé par la coopération espagnole en Dentinépa. Donc c'est vrai, c'est un programme qui majoritairement est basé sur une composante qui nous est les réalisations infrastructures pour potable et assainissement. Mais nous avons l'autre composante qui est renforcement institutionnel. Donc c'est dans le cadre de renforcement institutionnel ça, le programme fonds bilatéral là, qui est financé par la coopération espagnole en Dentinépa, qui est décidé. Et on a construit un bâtiment qui supposait loger et bureau administratif au REPA Nord. Et dans ce sens, il y a un appel d'offres qui est lancé, un appel d'offres international. Il y a une entreprise qui a un contrat. Depuis quelques temps, on a travaillé sur ça. Et puis nous avons un groupement qui nous recrute tout pour faire supervision de travail. Ça. Donc tous les deux, c'est des recrutements, c'est des appels internationaux. Et faut que nous disions, ça dépend du temps. Parce que faut que tout le processus soit long en pile. Mais finalement, je dis à nous arriver à coucher et petit là. Donc, toutes les conditions sont réunies pour travailler au lancer. Donc, le bâtiment, ça nous parle là, c'est un bâtiment qui a bien deux niveaux là-dedans. Et qui a occupé en tout une superficie totale d'environ 1000 m². Donc, on a gagné en plus de locaux et de gestion et d'administration, qui a bien bureau, qui a bien salle de conférence. On a bien tout et des locaux et d'appui et de soutien, on a bien des dépôts et etc. Donc nous comptons aujourd'hui pour nous finalement lancer ce travail ça. Et comme temps pas long devant nous, moi pral saluer gros effort du directeur général Guito Edouard avec toute cohorte des dirigeants du Népayo yo prend pour permettre à ce que yo doté eh bien, département Noa, yon bâtiment flambant neuf, après logé, eh bien, yon administratif du Népa. Délégation Noa salue l'initiative ça dans toute population. Hein, et nous dit merci parce que jodi a pour effort du Népa fait dans notre pays pour bail infrastructure hydraulique pour que l'eau vienne dans ménage, nous estimons que plus que nécessaire, tu n'es pas un propre bâtiment pâle pour le capable de fonctionner et les contribuables. Besoin d'informations, ils ont une adresse qui est sûre pour permettre à ce qu'ils joignent l'information et les gens qui veulent prendre branchement, ils ont qui va pour aller pour réclamer branchement. Dans notre gouvernement, je voulais personnellement et féliciter et bien beau travail ça. Directeur général là, M. Guito Edouard Fer, dans la tête du Népa, je voulais dire bon courage, qu'il me fait balaguer. Comme ce n'est pas celle nous dans le nord qui a pour bénéficier de l'initiative ici là, il parlait des centres de l'autre département encore. Et nous disons bon combat, parce que nous connaissons, ce n'est pas chose facile. Mais nous-mêmes, comme délégué départemental dans le nord, nous disons merci parce que ce n'est pas nous, activité de travail lancée. Pas nous déjà dans main nous espérons l'autre département non tant qu'il pas trop loin bénéficier et bien initiative ici là et bien lancement activité travaux par moi voulais attirer attention moun dans département nord plus particulièrement moun dans Vaudreuil sous urgente nécessité pour que moun qui était aux environs dans périmètre terrain yo déplacer sans on capable dire nous pas fait force sur yo sans casse et nous mander nos meilleurs délais pour déplacer yo même de manière volontaire parce que monde qui occupé devant et devant et terrain par exemple monde qui a fait ses activités commerciales nous mander pour capable déplacer et si jamais yo pas fait les ça n'a pas obligé faire déplacer. Je pense que ça, non seulement la bon pour image bureau, et nous pas capables devant bureau, un bureau flambant neuf, plus de 100 millions de dollars, 96 millions de dollars, excuse-moi, 96 millions de gouttes pour le dépenser, nous pas capables quitter le marché pour développer devant. Je pense que la mairie Cap-Haïtien s'est déjà informée, au même titre que la délégation,
Mais pensez que nous parlons peut-être nous ensemble pour nous prendre toute décision pour empêcher à ce que marché vienne et initier devant Biwa. Moi, compter sur collaboration mairie pleine du Nord également parce que nous sommes dans une zone limitrophe pour permettre à ce que nous collaborer pour empêcher à ce que nous venions faire devant Biwa tourner yon marché. Moi, une fois encore, remercier la délégation qui sont sur Port-au-Prince, mélangée avec employés d'Inipan en Nord, Jodia qui prend l'initiative pour travailler au lancé. Je voulais remercier et féliciter la présence de la police, la présence de la justice, DGI qui représentait et nous-mêmes comme délégués qui dit que le gouvernement, nous-mêmes, nous là, nous présents pour permettre à ce que le lancement de travaux soit capable d'effectuer. Nous disons aux populations, ils ont compté sur nous parce que y a l'idée majeure que le gouvernement est toujours prôné, il y a trop de charges sur l'État en termes de louage de maisons pour mettre bureau l'État. Et depuis monter comme délégué départemental, moi j'ai fait plusieurs efforts dans ce sens, c'est retirer bureau l'État dans l'ouvrage de maisons pour permettre à ce qu'il y ait un propre édifice par eux pour être capable de fonctionner. Je pense que vivre les lois pour Dinepa qui est en prend devant pour résoudre le problème si là-haut. Et je pense que l'argent qu'on a investi dans l'ouage de maison, je dis à Dinepa pour économiser pour continuer à faire service à la population, dans porter de l'eau potable, dans faire infrastructure hydraulique. Merci, merci.